We have seen quite a few FPS games and some different games, with Rocket League being one of them. And now comes a new football game with PES 2018. And for to start off this new game, we have two new teams. We had a look just before at two of the best teams head up against each other, with the Nordics and Germany. Now we're heading all the way down to the scoreboard to have a look at two more teams who only have 1 point. But from scoring goals to scoring points, let's have a look at the leaderboard right now to see who is where. Now, as you can see, UK are behind alongside Nordics and Spain, with Germany in front. Germany being the first team to have 5 points. Behind that, far behind, we've got Poland. And even further behind, all neck and neck, is France, Italy and CIS. So CIS and France are here. CIS, you scored 1 point. You are very happy to have that point, but you wish to have a second one to place beside it. Absolutely. And I think our team representative from CIS, Rudy and Finnergaard, can make it. They had a lot of practice yesterday against French players, I guess, right? I don't remember the score, but... He won 4-0 two times versus Jiraya, but he was drunk, so it's not the same of today. So the French weapon comes out again? We were drunk as well. Okay, well, this is an interesting start to the day. It is only something like 2 o'clock French time, but we'll manage here. France is known for football. France is a country that dreams football, lives football, but PES is a very different beast. Yeah, it's not FIFA, it's other game, but we're gonna try to... I know Jira is a beast in this game, because he can't kick on the middle of or on the goal and take the goal, so I think he's gonna destroy everybody. Now you are as well right at the bottom with just 1 point. We have got PUBG coming up later. Have you guys practiced for that? Because that is a game, as we keep saying all along the day, that will bring a lot of points. We can't, because every player take the PC, so we don't have a spot for us. But I think we don't need to practice in this game, because we got a very strong player. We got three good players on PUBG, and I think we're gonna take good points in these games. Now, Momo, you're actually a team coach in a shooter game, and you've won a lot of different titles with that team recently, especially. What advice would you give your team? What advice did you give your team throughout these challenges? It's never lost. We're gonna see on the final, and we will make a dream. Don't let the dream dream. Let's go to the dream true. Well, we hope to see that dream come true indeed. Are you ready to face this team, as they seem to be so enthusiastic and pumped up? In every game that we have today, especially PUBG, because it's a favorite game. Every team, every player plays it nowadays. It's one of the most popular on Twitch, I guess, and on YouTube. So we are ready. It's gonna be a great final. Well, let's see who gets the handicap now, because we have had votes throughout the day for the handicap, and you guys have decided A, B or C. One team or both teams will play. We discover right now, oh, it's France! France, who have to play with the gloves. Oh, the goalkeeper gloves come out. Can we have them here? I want to see Momo actually put these on. What's your reaction to this? It's only one. It's only one or two? Is it one? Only one person gets to play them. It's I don't know how it worked this, because we got every fucking malus. So yeah, it's impossible to play with fuck. Okay. Okay, well, that for those of you who are not French, fuck means seal in English. I'm just translating from the French here. So we have got a weird thing happening for the French players here. I don't know how they're going to manage this. Any thoughts? He should be a goalkeeper, and then probably. Okay, well, who does not want to score points here? We will discover, we will find out very soon while weird things happen here on screen. Let's go and see what weird things are happening behind the caster desks. All yours. Fuck, we will make a dream. We will make a dream. C'est ce qu'on retiendra. Bon, incroyable alors, moment. Comment vous expliquer ce qui s'est passé si vous ne comprenez pas l'anglais? Il s'est passé des choses incroyables, mais je pense qu'avec la gestuelle, vous avez pu comprendre certaines choses aussi. Alors, on plusieurs a eu... infos importantes tout de même. On, oui. On filtrait. On a eu le malus, ça c'est la première voilà. Info. Voilà, on sait aussi que hier, donc, ils ont joué déjà ensemble, les indépendantistes versus les Français. 2 fois 4-0 contre Jiraya, Jiraya bourré. Qui était Rebou.
Voilà, donc est-ce que Jiraiya Sobre pourra faire des miracles et marquer du milieu de terrain, comme nous l'a si bien expliqué dans un anglais parfait, ce cher moment. Voilà. voilà, c'est tout ce qu'on espère. Ça serait bien parce que c'était un duel de fond de classement, le fond du panier, comme on dit. Et celui, l'équipe qui gagnera ne rattrapera pas les Polonais, mais voilà, au moins se distancera des cancres. Non, j'avoue que là, on espère quand même. Bon, on a assisté à une interview de James et de moments absolument incroyables. Hein. Oui. On a bien rigolé, j'avoue. Tout à fait. On a beaucoup rigolé. Oui. Mais voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on voit dans le classement, c'est que le football est un jeu à 11 et qu'à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Oui, les Allemands sont premiers d'ailleurs. Les Allemands, on les a pas dans toute cette confusion, ils sont passés premiers avec une seule défaite et 5 victoires. Et voilà, les Allemands, on était là, oui, les Nordiques, oui, les Espagnols, et finalement, c'est les Allemands qui sont devant. Les Allemands, toujours la même envie. Oui, il n'a pas l'air serein alors que c'est moment qui a les gants. Quoi ? Mais non, on avait dit qu'un seul joueur ! Non, en fait, c'était. Un gant chacun ? Un gant chacun, apparemment. Ah, ou alors, c'est deux gants chacun. Quelle baiserie ! En tout cas, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'est impossible. Chacun un gant à gauche, visiblement. Ah, calme-toi, Moment. Ils n'ont pas l'air d'avoir les infos. Ils n'ont pas l'air d'avoir les infos, en tout cas. Moment, oui. Il a envie de jouer avec deux gants. Allez, prévenez-les. C'est terrible. Alors, déjà, la France qui s'était tapé déjà un malus tout seul. les Français, les joueurs français qui prennent la max au niveau des handicaps. Et on a déjà Moment. Alors, si en plus, vous nous collez tous les handicaps. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il veut jouer à la bouche, puisqu'avec les mains, ça a l'air compliqué. Mais on lève un gant, il peut mettre un gant, qu'on ait le prévenir. Que quelqu'un lui explique, James. James. James, toi qui as l'oreillette. James, viens un moment. Seul gant, Moment. Elle est belle, cette caméra. Moment, regarde, il a l'air beau. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais il veut pas, il veut faire le cake. James, Elle est prévenir un moment qu'il peut enlever la main droite. On ne sait pas ce qui se passe. Eh oui, parce qu'en fait, la main gauche, c'est celle de la direction, en fait. Oui, du coup, ça le va. D-pad, voilà, c'est bon. Ça y est, quand même. Bah, il enlève tout. Comme même. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fout ? Oh là là, mais arrêtez-le, non. Oh, le casque, le nouveau. C'est terrible, ce qui est en train de se passer, incroyable. Oh là là, il casse tout. Oh là là, et voilà. Non, ça fallait pas l'inviter. Alors hein. Que le sponsor quitte les lieux et est révolté. Fallait pas l'inviter, lui, hein. Oh, c'est terrible. Ah, c'est vraiment terrible, fallait pas l'inviter. Hein. Il jette tout en l'air, il est dégoûté. Incroyable. En théorie, on perdrait. On a l'air d'avoir stabilisé l'état psychologique du joueur français. Voyons si l'alcool dans le sang de Jiraiya hier était vraiment handicapant ou si ça ne reflète pas... Si Jiraiya retrouve de sa super... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est cru chez mamie ! Oh là là. Oh, je le déteste. Je le déteste encore plus que le dabeur italien. Moment aujourd'hui qui représente la France de manière assez discutable. Voilà. Incroyable. Heureusement, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. À côté, il y a Jiraiya qui essaie de soutenir son coéquipier. Ah là là, Moment visiblement qui a tout lâché psychologique. Non mais arrêtez. Mais en plus, Moment, pensez aux enfants. En plus, Moment, il est dégueulasse. Comment c'est, il est dégueulasse ? Il est dégueulasse au jeu. Ah. Non, pas en vrai. Je veux dire quand même, c'était des mots extrêmement durs envers le capitaine français. C'est pas très sympa. Certes, c'est vrai qu'il se grattait un petit peu les testiboules pendant l'interview avec son gant. Non, je dis, il est dégueulasse au jeu. Ah. Oui, bah bien sûr. Bien sûr, mais bon, Jiraiya est capable de faire des miracles, je n'en ai aucun doute. Oh là là. Bon, est-ce qu'on arrive en jeu, la merde ? Allez. Tout est... Oh, le glaire. Incroyable. Oh, attaque du glaire. Respire, souffle et crache sur le clavier. Attack of the glares. Non, c'est bon. Voilà, Moment. Voilà, c'est qui retrouve l'œil du tigre. Voilà. L'œil du tigre de Moment, il est prêt là. Je pense qu'il est prêt. L'œil du tigre. Espérons que ce gant ne l'empêchera pas, évidemment, d'être précis sur le D-pad. On a quand même affaire à un vrai gamer. J'en peux plus. Il a rappelé hein, d'ailleurs avec. Il est 15h et j'en peux déjà plus. Il a rappelé. 16h. Il a rappelé d'ailleurs avec son anglais si personnel que sur PUBG nous avons moult joueurs. Oui. James qui a rappelé évidemment que Moment est coach, hein, bien évidemment, de joueurs, d'équipe, voilà. De sur jeu FPS. Et c'est là que Moment a dit nous ferons un rêve. Voilà, il a dit c'est jamais perdu. Fabriquons un rêve. On va fabriquer un rêve. On va fabriquer un rêve, voilà ce qu'il nous a dit. Bon, en tout ce qui cas, a provoqué l'hilarité du capitaine russe d'ailleurs. Will of Games, qui parle bien anglais. Oui, qui s'est retrouvé troublé face à tout toutes à ces fait. Phrases. C'est vrai que c'est extrêmement troublant. C'est troublant. Alors, quelque peu, voilà, le setup technique est en train de se mettre en place. Sûrement encore des histoires dissidentes de matchmaking. Et voilà, c'est déjà la congratulation. Et c'est la fin. Et voilà, vainqueur par forfait. Voilà, Moment
qui célèbre la victoire française. Visiblement, la destruction psychologique a fonctionné. Eh ouais, écoute, je sais pas trop ce qui s'est dit. Peut-être un petit problème technique. Il semblerait que Wheel of Games ait déclaré c'est la dernière fois qu'on vient dans ce pays de merde avant de quitter les locaux. Peut-être que peut-être qu'on leur a fait signe que non. Et voilà, le deuxième point français. Non, mais en fait, en vrai, on peut quand même prendre quelques places, tu sais. Oui. Par exemple, là, si on gagne, admettons, soyons incroyables. Soyons fous dans les pronostics. Oui. Si on gagne PES et qu'on gagne toutes les games de PUBG, toutes les games de PUBG. Alors là, j'ai envie de dire incroyable. La retournette, les Allemands à la maison. Et le montage PC. Et le montage PC, en effet, le dernier montage PC. Oh là, regarde. C'est un jeu pour les Français. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez. mais c'est incroyable. Ah mais c'est pas parce qu'on sort de chez soi qu'on a le droit de faire n'importe quoi comme ça. Mais peut-être que le DAB vient d'arriver en Commonwealth. Dans le Commonwealth, ça se trouve, ils ont un retard. Imagine, le DAB vient d'arriver dans le Commonwealth. Ah, je veux dire, on l'a défrayé, on lui a pris une chambre d'hôtel au bout d'un moment. Faut qu'il se respecte, il a un certain standing. On sait qu'on est mal accueilli, mais pas à ce point-là. C'est tout de même terrible ce qui est en train de se passer sur nos images. Il y a quand même des beignets à 2 mètres de lui, quoi. Ah, oh, c'est terrible, hein. C'est terrible. Puis finalement, je ne sais plus où donner de la tête. Oh. Je ne sais plus à qui distribuer des torgnoles. Alors que je vois qu'un type ouvre son sandwich et trie en retirant des ingrédients. On dirait toi qu'on enlève les tomates séchées des sandwichs. Ils enlèvent des tomates séchées. Ouais, mais les tomates séchées, c'est mauvais plan. Hein. C'est mauvais plan, elles sont périmées. Non, pas du tout. J'ai rien fait des pompes intéressantes, mais il en fait. Ah, ça en y est. Tout cas. Oui, voilà. Voilà, moment. On sent toute l'expérience de coaching, du coach. On sent l'âme du coach. On sent l'âme du coach. Alors que les admins viennent dire ça suffit, bande de cons. Asseyez-vous, bande d'abrutis. Il y a un standing quand même à respecter. Alain qui pourrait marcher sur les genoux, c'est vrai. Et là, on gagnerait peut-être un poids. Ah, c'est terrible, ça. Hein. Je ne veux plus jamais vivre ça. Hein. Un qui marche sur ses genoux, c'est quelque chose. Sur ses genoux à The Event, hein, on avait vécu ça. Incroyable, on a l'impression qu'il va se déboîter à n'importe quel moment. Il l'avait fait pour la bonne cause. Tout à fait. Enfin bon. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est quand même incroyable. Mais oui, course de chaise, ça y est, c'est parti, c'est le centre aéré. C'est quand même incroyable que ce soit le jeu de foot le plus dur à setup. Alors qu'a priori. ça devrait être simple. C'est un jeu plutôt simple à setup. Mais on essaye encore. Quoi qu'on m'a. Dans le behind the scenes, j'ai appris des choses hallucinantes. Hein, oui. Notamment sur. Je sais plus. Oui, je crois que c'est sur Destiny 2, je crois. Ouais. Où il y a eu un patch quasiment de déployé pour cette émission. Oui, mais ça, est-ce que c'était pas. Parce que c'est le staff Nvidia qui nous a dit ça, donc est-ce que c'est pas genre, ouais, vous savez. Ouais, mais du coup, mais si, mais c'était pour la carotte de provoquer le matchmaking sur l'event, oui. Alors que normalement, il n'y a pas de matchmaking. Et oui, dans Destiny 2, voilà, dans Destiny choisi. Il n'y a aucun moyen de rencontrer. C'est le pif et le random. Il n'y a aucun moyen de rencontrer des adversaires précis, et donc visiblement, ils auraient demandé à Activision incroyable. De déployer cette feature en catastrophe en 3 heures, ce qui, à mon avis, est impossible. Écoutez, moi je ne suis pas là pour juger, je ne suis là que pour commenter en toute objectivité. Il y a eu d'autres infos. Ce qui se passe sur ce stream, en tout cas plus jamais de dab, par pitié. Plus jamais de dab, par pitié. Alors, ça pourrait continuer les dab par pitié. Alors la discussion. Mais alors là, moment, quelle langue parle-t-il à ton avis? Ah, c'est compliqué. Arrivent-ils seulement à se comprendre, ces gens-là? Eh oui, parce que le problème, c'est que. Je pense que la maîtrise du français des joueurs russes est discutable. La maîtrise de l'anglais de moment, elle est indiscutable. Alors que vous voyez le maillot de moment sans le N majuscule, c'était un grand drame pour lui. Ah oui, il a très très mal vécu. Il a failli déchirer son t-shirt et quitter l'event de rage. Eh oui, on l'a appelé Moman pendant énormément de temps. Moleman. Mais bon. Alors, toi, t'as envie de voir les Français jouer au foot quand même? Bien entendu. Parce que là, même c'est quand même ton jeu. Ouais, même si l'interview m'a fait mal au cœur. Oui, c'est vrai que PES, j'y ai perdu 10-15 ans de ma vie. Mais il y a un certain moment déjà. Entre autres. C'était une autre époque. Bien évidemment. Il y a tellement longtemps. Voilà, on faisait des Master League sur 4 saisons. Toi qui es si âgé. Voilà, Théo Walcott, 99 partout au bout de 5 ans, incroyable. Les patchs en japonais, les graveurs SCSI, bien sûr. D'ailleurs, j'espère que le jeu sera en jap. Bien entendu. Évidemment. J'espère que le jeu sera en japonais, on compte sur vous. On va avoir des cutscenes plus courtes. Bien sûr. Le speedrun du jeu de foot. Alors, on part. Je n'ai plus la brochure, mais il me semblait qu'on était sur des mi-temps assez longues. Ah bon ? C'était marqué 6 minutes. Alors, est-ce que c'est 6 minutes le match ? Parce que si c'est 6 minutes par mi-temps, c'est costaud. C'est. Et, même 4 matchs. C'est-à-dire que. Voilà. Enfin, s'ils sont pris 4-0 à moitié rebout sur 3 minutes par mi-temps. Est-ce que. On va peut-être avoir un score fleuve. On va peut-être se demander dans quel sport on est. On va peut-être demander à nos amis indépendantistes de prendre Bourg-en-Bresse, par exemple. Ce serait intéressant. Mais alors, comment ça se passe du coup dans PES? Parce qu'ils ont quand même les licences de toutes les équipes. Comment ça se passe? Alors, dans PES, ça n'a pas toujours été clair. C'est Bourg-en-Bresse. C'était quoi les castas? Contre Orléans.
comme c'est Castello et compagnie. Hein, oui, voilà, peut-être. Alors oui, est-ce que la Domino's League 2 est représentée avec les vrais noms, les vrais logos? L'équipe de France contre l'équipe, contre l'équipe d'Italo. C'est ça, bien évidemment. Ouais, d'accord, ok. Est-ce qu'on aura Carom Ziano? C'est ça, en pointe, Olivier Birou. Pour le, l'Orléans Gaming. C'est ce qu'on va voir. Je sais pas. Alors, est-ce que le choix de l'équipe est libre aussi? On va sûrement se taper des Real Barça à l'infini, ce genre de choses. Ou, voilà, sinon, on dit que les Français prennent la France, et puis les CIS prennent la formation la plus faible de leur conglomération de pays. Ouais, je sais pas laquelle ça doit être, mais ça doit être une bonne équipe nulle, à mon avis. Ah ouais, ouais, il y a moyen de moyenner. Parce que dans les États indépendants, on a quand même le Turkménistan, le Kirghizistan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Biélorussie... la Moldavie. Ah, la Moldavie, ben voilà. France-Moldavie, il y a moyen là. On pourrait avoir des joueurs moldaves pour une fois. Incroyable. Nous qui avons tant voulu. Pour célébrer, hein, je vous le rappelle, ce n'est pas que des bêtises. Hein. il y a vraiment un échange, une alliance culturelle et économique entre le Vietnam et la Moldavie. Donc voilà, être vietnamo-moldave a beaucoup de sens. Et oui. Voilà, tout culturellement, de nos jours. Non, à mon avis, si on avait un petit. Je sais pas. Kirghizistan contre France, ça me semble équitable. C'est jouable. C'est peut-être jouable. Ou Moldavie-France, ça me semble équitable. Voilà. Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie-Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Mongolie. Voilà les pays du CIS. Ah, il y a de quoi faire. Mais je crois qu'il n'y a que des Russes en fait, non? Il y a de quoi faire. Oui, ils ont l'air, vrai, ça a l'air un peu d'être la situation vrai, ça, des pays nordiques. Ça veut dire d'être full russe. Parce que les pays nordiques, quand je passe à côté nordique, des joueurs, ça parle full suédois. Hein. Ouais, nordique c'était full suède et CIS, ça m'a l'air d'être full russe. Donc il y a des arnaques. Je sais pas. Anyway. Oui. Nous attendons. Oui, c'est l'URSS. Voilà, c'est évidemment l'URSS. Bien oui, évidemment. Oui, ex-URSS. Alors, ex-URSS évidemment. Quel est le problème? Voilà le problème. Alors le problème, c'est que c'est celui des manettes apparemment. Non, j'en ai aucune idée. En vrai, on a aucune info sur le problème. Alors nous que quelqu'un arrive pour nous donner des gants. Nous rappelle. Ah, voilà les gants. On va tester. Peut-on les lancer? Ce sera vachement visuel et extrêmement dynamique. Eh bien, je m'en vais. Mais au qu'est-ce revoir. Que c'est que ce lancer de merde? Ok, d'accord. Alors, donc voilà les gants de goalkeeper. Oh mais qu'est-ce que c'est que évidemment des gants qui vous rigidifient la main, histoire que vous puissiez faire le chat. Ça a l'air pénible quand même. Des gros boudins. Pénible. Ah, des gants chut-chut Pelmark. Oui, exactement. C'est un peu une sous-marque quand même. Hein. Non, c'est pas mal en vrai. Mais il faudrait une manette pour voir. Mais si c'est juste le joystick de direction, en vrai, ça va. C'est dégueulasse. C'est beaucoup trop plat. C'est plat, rigide. Ce que je te disais, c'est que si on devait faire ZQSD avec ça, alors là, il n'y aurait aucun moyen. Oui. Il n'y aura absolument aucun moyen, même si les claviers Lenovo sont exceptionnels et là, que grâce à eux, on peut avoir un gameplay quoi fluide. Quoique, en jouant avec la tranche. Ah. En jouant avec la tranche des doigts, il y a moyen de moyenner. La tranche des doigts. Voilà, la petite tranche, la bordure, l'extra-bordure. La couture gauche des gants cheat pas de marque. Non, c'est... C'est quand même compliqué. C'est pas mal. Pourquoi Zera et MV sont sur Nvidia Italie? Quoi? Sur Nvidia Italie. Qu'est-ce qui se passe? Ah, buongiorno. Peut-être les casters étant malades, on a été remplacés et on est host. Faut daber comme ça, comme les. Pour se faire comprendre par nos amis italiens. Non, alors, parce qu'en fait, voilà, on est le clean feed et du coup, on pop comme hier, nos amis les anglais popaient de temps en temps. Ah, bien entendu. Du coup, on est. Ça arrive, c'est un incident. Voilà, on pop de temps en temps, comme nous avons vu nos amis anglais hier qui nous ont gentiment laissé le casting desk alors qu'on voit Moment se préparer pour son match actuellement. Sur sa chaise, il dans est sa déjà chaise. Au bout de sa vie. Mais moment qui a pourtant bien dormi, parce que là il fait genre que ça va pas, alors que genre il a dormi. Et Jiraya qui essaye de réparer les problèmes techniques, on le sait, régisseur. Tout à fait. Lui qui travaille chez le stream, qui a hosté un tournoi Summoner's War il y a pas longtemps. Incroyable. Il est capable d'avoir toutes les casquettes, tous les métiers, il connaît le milieu. Du meilleur comme du pire. Ah non, alors toi, non, je te vois. Il va faire une connerie. Il a envie. Ça va, il reste calme, il reste frais. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, ça va. Ouais, bon, à d'accord. À la limite, voilà. Okay. Nous aussi, on en a marre. Il y a un contexte, là, nous d'accord. Aussi, on en a marre. Ok, tu tiens ton style. Voilà, tu as envie de jouer aux jeux vidéo. Oh, là, par contre, non, là, c'est gênant. Là, c'est chiant. Non, il a envie de jouer aux jeux vidéo. Oui, d'accord. Il essaie de nous dire que. Ok.
Ah non, là c'est un peu chiant. Hein. Ouais. Voilà, on le rappelle, ah, voilà, on le rappelle à l'ordre. On lui dit sort du cadre. Il est prié d'arrêter. Il est prié de sortir du cadre gentiment, voilà, avant d'éviter la bavure. Alors, en tout cas, quel est ce problème technique? Il est en train de se résoudre, je n'en ai aucun doute. Alors c'est vrai que je vous avais promis des anecdotes PES. Alors non, mais il n'y a rien de très excitant. Juste petite anecdote PES. Bah, juste que je pense que c'est le jeu que nos Français ont le plus traîné depuis qu'ils sont arrivés. C'est vrai. C'est-à-dire que voilà, Jiraya et Moment font des matchs depuis longtemps. Et en fait, je voulais vous raconter ce truc qui a été raconté dans l'analyse desk, enfin dans l'interview avec James. C'est-à-dire qu'ils ont fait des matchs déjà contre les joueurs russes et en plus, il y a eu 4-0 deux fois. Et ça, je voulais vous raconter. Peut-être avant qu'ils ont vendu une intox. Ah non, non, c'est vraiment arrivé. Mais oui, voulais, Jiraya a bu et c'est-à-dire on fait semblant de se faire laver. Peut-être. Après leur training commando où ils savent qu'ils vont gagner. Mais le mind game, ça n'a pas l'air d'être l'ambiance hier. Je vais pas te, couper. Hein, ah oui, parce que oui, moi j'ai pas recueilli leurs propos après vu que je me suis endormi 9h. Ça avait plutôt l'air d'être lol, on va perdre lol. C'était plutôt ça l'ambiance. C'était pas trop. Ouais, non, mais peut-être que en fait je les ai brain. Non, c'était pas trop. Ouais. Non. C'est terrible. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos stratégies sur Legion GTX Challenge. Est-ce que vous aussi, vous êtes professeur de mind game dans des écoles de gaming? Ah, professeur de mind game, c'est bien ça. N'hésitez pas à nous faire, voilà, vos commentaires à propos de ça. Et voilà, c'est tout. Hein, j'ai envie de dire ça. Cela dit, on n'avait pas encore eu de moment de meublage intense. Oui, c'est vrai, parce que. Mais, c'est vrai que la dernière fois, on avait eu quoi? On a vu, c'était avant CSGO. CSGO, extraordinaire. On a eu une quarantaine de minutes. Oh, une heure d'anecdotes non-stop. C'était rigolo. Hein. Mais on peut repartir évidemment sur les séries des années 90, la télé-réalité, les chansons ridicules. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Et on en aura quelques-unes d'anecdotes pendant les matchs, j'en suis sûr, Xavier. Tout à fait. Car tu as toute une pléthore et une panoplie d'anecdotes à tirer au sort sur ton bingo. Absolument, à n'importe sur quel moment. Tu peux cliquer. Voilà. Des références gênantes. Sans aucun souci, sans aucune transition. Évidemment. Voilà. N'hésitez pas. Alors, on n'a pas assez parlé de nos amis les marques. C'est vrai. Allez, on va faire ça en attendant. C'est vrai, on a quand même la chance d'avoir des partenaires et d'être ici pour le stream Lenovo. Parce que, le savez-vous, c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu hier, mais pas aujourd'hui. Et je vois que vous êtes plus nombreux qu'aujourd'hui, puisque vous avez dépassé la barre des 12 000 viewers qui n'avaient pas été atteints hier. Incroyable. Et ça me fait plaisir de vous dire que Lenovo lance une gamme gaming qui s'appelle donc Legion. Incroyable. C'est écrit ici. Et en fait, cette marque, le saviez-vous, est communautaire. Voilà. Alors, ça, c'est pas des conneries. Ah non, c'est pas des conneries du tout. Nous l'a dit le PDG Himself. Ça a l'air d'être des conneries. Voilà, donc on a eu un insight, de la création de la marque. Donc la marque est communautaire, alors que j'ai une musique douce, une mélopée douce. On en met jolie, on en met pour la bande à fond. Comme quoi, hein, c'est pas nous qui décrédibilisons les annonces de partenaires. Et donc voilà, la marque a été choisie communautairement. Les produits sont développés avec des gamers, avec des arrobas. Ils choisissent. Ils font des sondages Moobot. Et les gamers choisissent les prochains éléments de hardware, les éléments de lore de la belle histoire. C'est ça. Et alors moi, je ne savais pas, mais en plus donc des laptops, il y a du desktop. Et c'est sur ça qu'on partira, alors que le problème est en passe d'être résolu. Incroyable, on le signale dans l'oreillette, mesdames et messieurs. Et donc oui, donc Lenovo lance sa marque Legion, comme vous pourriez avoir n'importe quelle marque de gaming. Hein. Vous connaissez peut-être déjà les ThinkPad, qui étaient les anciens ordinateurs portables d'IBM, sur lesquels un semi-remorque pouvait rouler dessus sans aucun problème. C'était la fameuse publicité bien connue d'IBM, rachetée par Lenovo en 95. Et donc les ThinkPad et toute la gamme de produits IBM sont maintenant Lenovo, Xavier. Alors que nous allons repartir in-game dans quelques secondes, car le problème a été résolu par nos techniciens. Incroyable mais vrai. Voilà, le chargement est en cours. Alors, est-ce qu'on pourrait passer in-game directement, histoire qu'on ait un jeu en entier? Parce que, voilà, hier, Rainbow Six, on avait les 30 secondes de préparation squeezées complètement par nos meublages. Il est vrai. Mais on pourrait avoir... Voilà. Ah oui, sur les 6 équipes, on veut voir ça. On veut voir le pick et ban. Ah oui, les pick et ban, bien sûr. Si on pouvait avoir et ça va ban Roberto Larcos, je pense. Et on y va. Alors, on est sur le point de vue de la France qui, actuellement, va choisir Liverpool. Mon Dieu. Non, attends. Mais pourquoi MD... Oh, d'accord. Bon, Real Madrid, donc. Ah non, oui, donc Real Madrid. MD White et Liverpool. Qui prend Liverpool? C'est quoi ce bail? Je pense que la France serait Real Madrid. Oui, on voit Moment à gauche. Ah oui, non, mais ça ne veut absolument rien dire. Non, ça n'a aucun sens. Terrible. Bon.
Ah oui, d'accord, c'est MD White, c'est juste parce qu'ils n'ont pas la licence du Real Madrid. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un bail. C'est le nom du club. C'est peut-être une équipe custom. Pas du tout, Xavier. Voilà. Il n'y a aucun problème de licence. Kiko Casilla, on a vu Kiko Casilla. Je ne vois pas pourquoi tu parles de ça. On attend beaucoup des centres de Giraud avec Roberto Larcos, en tout cas. Bien sûr. Non, mais ça va déconner zéro. Alors, donc MD White pour la France et Liverpool pour. Liverpool. Pour évidemment. La Russie. Alors, un choix assez mitoyen. Alors, Liverpool, qui de mon temps, de mon époque, n'était pas aussi fort que maintenant, probablement, vu qu'ils ont choisi de les prendre. Mais toi, de toute façon, tu es très au courant du football actuel. Absolument. Toutes les tendances. Absolument, Liverpool très en forme. Alors, ils n'ont pas pris le Paris Saint-Germain, les Français. Et non. Ils ne créeront pas de débat incroyable dans le chat. Et c'est parti, mesdames et messieurs. On a les pseudonymes hein, des joueurs, ça fait plaisir. Ah non, on n'aura pas celui de moment. On aura regardez. Jiraya, mais en fait. Alors, il faudrait ils vont se faire plaisir sur ce Lino. En fait, c'est le profil de. Oui, sur ce stade de handball. En fait, c'est le profil de Jiraya, mais on a un joueur en bleu et un joueur en noir. Enfin, en triangle noir et triangle bleu. Il faudra essayer de repérer qui est qui. Il y a Jiraya et l'autre. Oui. Mais attendez, déjà le poteau. Le deuxième tir et le but. CIS is scoring the first goal. Oh my god, 1-0 au bout de 4 minutes, but de Mohamed Salah qui prend un selfie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais quelle angoisse du cul. On dirait mon ami Nadim. Incroyable. Enfin, strabisme en moins. Mais en tout cas, c'est extrêmement choquant. Donc oui, il y a bien un compte Jiraya TV, mais il y a aussi le compte GTX Challenge 1. Donc ça doit être moment. Putain, mais il y a déjà un but, mais merde. Et déjà au bout de 4 minutes, terrible désillusion. Ah, la possession est en faveur de Liverpool. C'est déjà en train de faire pause. Il pense déjà à abandonner. Qu'est-ce qui se passe? Brightness settings. L'écran est pas assez coloré. C'est peut-être ça qui a causé. La défaite, ce tracas français. Donc peut-être qu'on va relancer le match. Maître Véreux a dit non, ce but-là ne compte pas. Ouais, à mon avis, on va tout recommencer. Restez calme chez vous. Visiblement, un énième problème technique. Je pense que Moment a très habilement débranché le câblage d'Emmy. Il a dit oh non, ça marche pas, j'ai rien vu. On recommence. Il a dit mais ça lag. Voilà, il a bien compris que parfois il faut prendre des décisions un petit peu graves, un petit peu risquées. Bon, alors, l'honneur de sa patrie. On a des invités qui sont montés pour qu'on les accueille pour le meublage, mais le truc c'est que entre-temps la partie s'est lancée. Donc moi je suis extrêmement triste, mais du coup on va enchaîner sur la partie et après à n'importe quel moment on peut dresser le siège qu'on a bazardé en bas. À n'importe quel moment nous pouvons accueillir un invité. Ma jambe bionique est en fait posée sur un siège habilement caché professionnellement. Behind the scenes est vraiment hallucinant de qualité. Nous pourrons dresser au milieu de nous afin qu'il y ait un troisième invité. Là, tout et ce qu'il faut là. Le micro milieu, si jamais on le micro. Mais c'est moi qui dois avoir le micro milieu parce que là il y a gauche droite. Mais de toute façon, notre régie pourra réagir à n'importe quel moment. Mais oui, c'est ça. C'est tellement rapide. Incroyable. Hein. Tellement rapide. Tellement romantique. Alors, qu'est-ce qui se passe oui, on est content. Donc oui, on a un grand gardien. Pourquoi? Parce que c'est pour symboliser le fait que les joueurs français jouent avec ce handicap. Ils ont sur leur main gauche ce gant, donc le gant qui fait la direction des joueurs normalement. Donc il n'y a aucun problème. Hein. Ça reste un handicap assez mineur. C'est très doux, c'est très, c'est vraiment très agréable parce que Lenovo fait aussi des gants de gardien de but. Ça a l'air de prendre un peu de temps. Est-ce qu'on accueille notre invité mystère ou prend le risque? Si l'invité mystère s'assoit et que ça go, moi je vais être embêté. C'est terrible. Ah ouais non, il nous reste qu'une seule minute. Donc le temps qu'on set up et qu'il soit démuté l'invité, je pense qu'on sera dans le match, Xavier. Eh bien nous allons enchaîner. A priori ce sera go. Allons enchaîner ma chère Micheline. Et oui, en effet. Donc les gants Lenovo, n'hésitez pas pour faire du sport. Ah, le gant Lenovo vraiment sympathique, grip hallucinant. Grâce à ce gant, j'arrête plus de tirs, figurez-vous. Grip de gamer. Depuis que je joue au foot, ce grip de gamer. C'est un gant qui a été créé avec la communauté de toute façon. Quand créé par les gamers, et il y en a un d'ailleurs avec des clics intégrés pour se passer de souris, on peut. En un seul clic. On fait l'amour trop vite. Clic est usable. On se Facebook ou MSN, on se connaît à peine. Exactement. Théo fan, bien sûr. Xavier. On salue nos artistes musiciens, alors que James, évidemment, nous fera l'honneur de passer plus tard, car nous sommes sur le point, à n'importe quel moment, de repartir en game.
Voilà, Théophane, évidemment, pour les amoureux de la musique. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amoureux de la musique hein, ouais, sur le chat. Pas, d'ailleurs, à nous des gens qui adorent l'humour aussi. N'hésitez pas à nous partager. On salue tous à les gens qui adorent l'humour. Votre humour et vos goûts musicaux sur le hashtag. Sur le hashtag. Hein. Je challenge qui s'affiche maintenant. Attention, ah, je sais pas, là on je les teste, a piégés là. Teste. Le hashtag, juste en bas de votre écran, bien le sûr. Le hashtag qui s'affiche en bas les de votre écran. Légion GTX Challenge. Ah oui, voilà, formidable. On aurait dû le faire dans ce sens-là, voilà. On aurait dû faire le hashtag qui arrive et voir si ça synchronise avec les frames. N'hésitez pas à vous, à nous communiquer, hein, vos artistes préférés, vos humoristes. Vas-y, on va faire un genre, vas-y, attends. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag. Oui, vas-y, je hashtag, qui, évidemment. Là, voilà. Non, merde, c'est là. Ah, non, c'est raté. Là. Putain, j'en veux. Voilà, c'est vers donc, toi, en fait. Et donc, quand vous avez fini, n'hésitez pas à voilà, bien vous entendu, amuser voilà. Avec ce hashtag. Partez. C'est un stream professionnel, n'essayez pas de reproduire ça chez vous. Voilà. Allez. Alors, c'est bon, là, ça fait une minute. Hein. Qu'est-ce qui se passe là, sur mon chrono, Lenovo, ça fait plus d'une minute. C'est vrai que oui, attends. Et c'est parti. Ah oui, c'est vrai que sur mon portable Lenovo, évidemment, c'est indiqué sur mon téléphone. Alors, nous y voici à la Lenovo Arena. À la Lenovo Arena, voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. À la voilà le problème. À la Cdiscount Lenovo Arena. Ah, c'est parce qu'ils n'ont pas les bons boutons. C'est bien ces tentatives de destruction psychologique à répétition. Ça va peut-être payer au bout d'un moment. Et surtout, l'excellente nouvelle, c'est qu'on repart on à 0-0. Voilà. Et ça vaut tout l'or du monde. Et, hein. Et là, on voit que Moment, c'est un vrai coach, un bon négociateur. Il en faut un petit peu d'anti-jeu d'intox. Il a l'habitude des events, c'est un rematch. Et c'est parti pour la France. J'espère qu'il ne va pas y avoir un but en 3 minutes. Incroyable. Allez, la France mais qui ouais, perd la balle. Alors que déjà la perte de ballon. Alors, est-ce qu'ils savent seulement faire le pressing avec le bouton alors, le bouton croix sur PlayStation, mais là le là bouton A, du coup, sur Xbox. Magnifique. Incroyable. Passe. Ah, Jiraya, il est très chaud de la passe en profondeur lobée. Voilà, il en tente une, il l'avait dit. Hein. Et le contrôle de l'épaule. Le contrôle de l'épaule. Ou de la tête. Et s'y mettre pause. Y a-t-il. Oh, c'est insupportable. Un énième problème. En tout cas, 89% de possession pour la France pour l'instant, Xavier. C'est magnifique. Là, il faut pas changer de joueur, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il faut appuyer peut-être sur les bonnes touches. C'est peut-être parce que Moment, avec tous ses jetés de manette, eh bien, a abîmé la gâchette. Il a qu'à jouer au clavier. Ah. Ah. C'est plus difficile. C'est vrai que même à l'époque sur Street Fighter, j'avais affronté Moment et il avait joué au clavier. Je sais pas pourquoi il s'était imposé ça. Street Fighter 4 au clavier à l'époque. Mais il disait aussi qu'il jouait à Rocket League au clavier à une époque et qu'après. Et là, il y en a pas mal qui le font ça. Mais ouais. Ouais, c'est vrai. On a vu toute l'équipe CIS, il me semble, de jouer au clavier hier. C'était oui, eux, non? Incroyable. CIS, oui, c'est vrai, c'était eux. Au clavier. Bon, en tout cas, franchement, ce qui est quand même dommage, c'est que c'est la France qui a des problèmes techniques, quoi. Non mais c'est de toute évidence un complot. Je vais éternuer. Oui. Mais eux ils ont pas de problème pour changer de joueur. Alors faut peut-être qu'ils leur dictent les touches. Non mais je pense que c'est un complot. De toute façon les Français entre les handicaps à répétition, le fait qu'ils affrontent à chaque fois Absolument. Les VIP, les power players de chaque équipe respective sur les jeux concernés. D'ailleurs c'est un joueur pro de PES en face. On a oublié de le dire. Triple champion du monde. Triple champion du monde de PES. Triple champion du monde de la France. Voilà. CIS. Malheureusement. L'univers. Mais en tout cas, tout va bien. Tout va bien. Messieurs. On nous fait des petits coucous et des bisous derrière la baie vitrée. Des bisous à travers incroyable. La baie vitrée. C'est vraiment. C'est l'event des en bisous. Fait, en fait, il y a un problème avec ce Maincaster Desk. C'est qu'en fait, maintenant qu'on est là, la régie écoute ce qu'on dit. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que avant... en fait, hier, on avait l'avantage d'avoir une régie composée d'une seule personne. On était isolé du monde. Qui était en PLS. Et donc, personne n'écoutait ce qu'on faisait. Alors aujourd'hui, chaque fois que je vais prendre un beignet, je croise un mec qui me dit « C'est formidable, c'est génial. » voilà, il me dit « J'ai un peu écouté. » Tu sais, ils ont un peu honte, donc ils disent « J'ai un peu écouté. » Ils disent pas… Voilà. Donc, ils disent, c'est vrai j'ai que t'as un pas peu un écouté, infréquentable. C'est vraiment génial. Alors qu'hier, rien. Hier, c'est comme si on n'existait pas, parce qu'on est dans le studio 2. C'est bien pour ça que j'ai dit aux Anglais « Mais gardez, gardez. » Alors aujourd'hui, le problème, c'est que la régie suit ce qu'on dit. Alors, on a des petites directives de temps en temps. Arrêtez de dire des conneries, bande de connards. Ensuite, voilà, mais en plus, tout le monde connaît voilà, nos espèces de tics nerveux, hein, évidemment. C'est ça, voilà, très vite énervé. Dès qu'il y a un petit temps d'attente, voilà, on est prêt à dire n'importe quoi, à n'importe quel moment. On est très vite énervé. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans quelques instants, ça va être un grand moment de fête avec le. Alors, comment s'appelle déjà le Real Madrid? C'est le MD White. Le MD White, bien évidemment. Le MD White avec son gardien de but, Kiko Casilla, oui. Représenté par Moment et Jiraya. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on amène des manettes Lenovo et on n'aurait plus de soucis. Bien entendu. Parce que là, on joue avec des manettes d'un concurrent, donc forcément. Ah oui, tout à fait. Nous avons vu les boutons de couleur. Ça ne fonctionne pas. Il s'est passé quelque chose. Pas étonnant. Enfin bon, dans tous les cas, en effet, ici, on est donc censuré hein, très souvent. Notre discours, comme vous le voyez, est formaté. Aidez-nous.
Voilà, il s'agit d'un cast différent d'hier, pardon. Ok Google, achète une manette Lenovo sur Chut Chut Palmark. Voilà. Ok Google, recherche manette Lenovo. Voilà. Ok Google, envoyez à maman, j'adore sucer des Esquimaux. Bien. Vous marquez le petit temps d'arrêt parce que sinon après ils comprennent pas les téléphones. Oui, bah oui, c'est normal. Et voilà. Alors que nous passons in-game. Oh, ça a déjà commencé! Nous y sommes. J'adore sucer des Esquimaux, évidemment, chanson éponyme de Flo Gaga, qu'on vous conseille de consulter, un excellent artiste. Alors, ça y est, est-ce qu'on va se prendre un but au bout de 4 minutes? C'est la grande interrogation de ce début de match. Alors, on peut changer de joueur. Hein. Ça y est, on les sent plus à l'aise là, Jiraya. Ça change Jiraya tout. Jiraya, avec moment, ça combine pas du tout. Mais c'est le con, il n'y a plus personne. Oh oui, heureusement, il n'a pas mis en haut, mais il est en bas. Est-ce qu'ils vont. Non, là, ils se gênent. Les deux attaquants qui gênent alors qu'il y avait un couloir pour la passe en profondeur. Et ça sur l'attaquant du haut, mais ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Oh, belle esquive. Le tir. Oh là là. Et le retir. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, tout va bien. Hors jeu. Hors tout jeu. Va bien, Xavier, je te sens déjà énervé. Ah oui, d'accord, il était parti aux fraises. Oh là là, mais c'est terrible. Heureusement que Ick et Kiko Casilla. Je te sens déjà énervé, Xavier. Kiko Casilla a eu la main ferme. 5 minutes de jeu et on a déjà les patates au fond du sac, comme on dit dans le milieu du football. Terrible ce qui est en train de passer. Alors que ça tente. Non, n'importe quoi. C'est un arbitre. Alors, un des joueurs, visiblement, confond la touche de tir avec la touche de centre. Et ça, c'est peut-être une excellente nouvelle pour nous. C'est ça. Et surtout qu'on a essayé de faire une passe à un arbitre de touche qui est quand même en bleu. Peut-être finalement que nos amis russes jouaient mieux Rebou. Peut-être, mais... Oh là là, Jiraya, oui, c'est bien, on défend debout. C'était pas eux qui étaient terribles. Alors qu'on débloque moult achievement. Oh là là, terrible. Oh, j'ai cru qu'il y avait un attentat, mais non, visiblement, c'était un geste technique, une bicyclette au milieu de terrain, sans aucune raison, du joueur de Liverpool. Casemiro. Oh oui, voilà, Karim Jiraya Benzema. Qui adore les passes en profondeur lobée. Karim Benzema. Terracide. Terracide. Allez, Calimero. Oh non. Il se fait assassiner. Pauvre terrible. Calimero, c'est tellement injuste. Et voilà, et là par contre il y a un gros truc avec ça là, qui a marqué tout à l'heure lors du faux match. Mais il y a mais défendez debout, oui, ou cassez leur l'œil. Oh là là, ils sont tout seuls, il n'y a pas de hors-jeu, mais c'est bon, c'est un retour défensif de Marcelo mais visiblement. Il y a les vrais noms du coup. Alors, il y a les vrais noms. Il y a tous les vrais noms. Les vrais noms, mais pas tout le monde. Bah si. J'ai pas vu une seule erreur en vrai. Très bien. Alors que Roberto Larcos. C'est bon. Tout va bien se passer. 12. Ah, parce que tu croyais que c'était Iker Casillas. Mais non, c'est bon. 13 minutes. Non, c'est vraiment Kiko Casillas. Oui. Mais moi, regarde, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oui, mais oui, bien sûr. Non, mais moi, tu sais, c'est le football des années 90. Je suis perdu là-dedans. Et oui. Mais oh oui, la passe est bonne. Regarde, Benzema. Oh, mais tête. Non, il a appuyé trop tôt. Une tête extrêmement puissante, mais insuffisante, malheureusement. Il a appuyé trop tôt. Donc, du coup, il y a eu la tête. Alors qu'avec un petit contrôle de la poitrine. Sans problème pour le gardien. Il y a peut-être eu moyen de faire une frappe monstrueuse. Attention, c'est avorté par Sergio Ramos sur le côté gauche. Terrible! Oh, t'as pas vu! Qu'est-ce qui se passe? Il a fait truc! Le dab? Il a fait un dab? Non, il a pas fait un sombrero, mais il a fait. Il a fait le sombrero malgache! Un machin truc! Le sombrero malgache, bien sûr! Oh, ah, et ça tombe! Oui! Il y a pas d'enjeu! Il y a pas d'enjeu! Et comment on va célébrer le but? On va pas le célébrer! Oh là là! Karim Benzema! Karim Benzema! Et donc Karim Zeli, incroyable, Benzema, voilà, retour en équipe de France, encore retour comme en équipe de France. Quand on s'appelle Karim et qu'on a un Z dans son nom, ça marche. Hein. On est imbattable et il suffisait finalement d'arracher le câblage DMI et de relancer un nouveau match. Ce La lucidité de moment bien. Qui paye, 18ème minute, Karim Benzema. Karim Benzema non, incroyable. Oui, ça se passe très bien. Allez, c'est reparti. Nous y sommes donc avec ce maudit Khan. Et c'est rigolo. Ouais. En fait, le problème de la France, c'est la défense. Hein. On a du mal à faire le pressing debout, alors qu'il est assez simple à faire dans PES normalement. Et on se jette avec des tacles douteux. Marcelo, Karim Benzema. Allez, c'est bon. Non, absolument pas. Et encore, ce maudit milieu, Khan. Sergio Ramos en défense. Oh, Firmino. Trop fort. C'était magnifiquement amené. N'importe quoi. Il a bourré et il est allé dans la jauge rouge. Ah, d'ailleurs, on n'a pas eu l'info de combien de temps durent les mi-temps. Tout à fait, je crois que c'est 5-6 minutes. Là, on est à 20 minutes. Ouais, bah, si on est, la si on est, on est à mi-mi, même pas à mi-mi de temps. Mi-mi-mi-mi. D'accord. Tout à fait, mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. Oh là là, c'est le gardien. Un triangle. Attention. Sors le gardien. Ça arrive en full jauge. Oh là là, faut sortir le gardien dans ces cas-là. Il y a un bouton pour ça, les petits amis. Tout va bien. Incroyable. Oh là là, non. Ce contrôle du coude, in tout passe en profondeur alors que le mec revenait en défense. C'était terrible. Ça, c'était osé. Allez, paf. Ça ne passe jamais. Hein. Jiraya en bas.
Oh, la talonnade, ça talonne. Le talonneur. Oh, ça tombe. Oui, et ils ont compris. Oh non, ouais, non, trop mou. Il fallait peut-être la jouer au sol parce que je sais pas pourquoi, Jiraya est fasciné par la passe en profondeur aérienne. Donc, elle a un triangle sur manette concurrente. Je suis pas le marque. Mais voilà, des fois, jouer au sol, c'est la meilleure solution, bien évidemment. Terrible. Alors que ouais, ça balance un petit peu n'importe comment du du côté indépendant. Ça dégage. On aime jouer au centre, hein, côté français. Ouais. Je pense qu'ils sont encore écœurés hein, de cette vue refuser le but au final, vu qu'on a refait. Oh là là, oh, Marcelo qui s'est arrêté pour qu'il y ait des champignons. Attention, on a bien dans la défense. Qui a pris la pointe latérale de Kiko Casilla, hallucinant. Lucide, sans problème pour le gardien. Ça a énervé le joueur 6. Incroyable, quelle émotion, mais ils sont déjà chez nous dans les villages. Alors attention, attention, c'est bon. C'est relâché, Karim Benzema peut-être au milieu. Non, absolument pas. Et ils sont en train de camper chez nous, le contrôle. Non, le contrôle est assez mauvais, mais il se retourne très très bien. Firmino du gauche. Oh, mais quel arrêt de chat. Oh, il a retourné. Oh là là, le retour défensif de Marcelo. Incroyable du incroyable, cul. Incroyable. Mais ils sont toujours dans le tour. Gomez qui a failli se faire assassiner par ce tacle de la défense française. Il faut passer devant Cristiano Ronaldo. Ça passe devant, bien jeu. Trop hors jeu. Jeu de Karim Benzema. Pour Karim qui était un petit peu trop en avant. Légèrement en avant. En tout cas, on se régale sur ce stade de handball. Ça glisse un peu. Très bolino. Très bolino. Bolino, bolino. Oh là là, mais on leur redonne beaucoup trop. Pourquoi ça ne construit pas sur les côtés? Toujours dans l'axe, terrible. Gomez tout seul en train de la surface. Mais non. Contré par un genou. Et ce sera le premier corner de la rencontre. Premier corner de la rencontre. Beaucoup d'émotions ici au stade Mimimati. Vous êtes extrêmement nombreux, hein, 13 000 pour voir ce match. Incroyable. On comprend. Bolino chute pas de marque, exactement. C'est un dimanche familial. Allez, et l'ambiance au stade est bonne. Ça tire. Deuxième poteau. Oh là là, l'arrêt encore de Kikosia. Et il vient la mettre, voilà, sur cette sortie de bout des doigts, la main droite, hein, qui n'a pas flanché, Xavier. Incroyable, belle ambiance ici. Deuxième en tout cas. Corner, premier poteau. Oui. Oh, oh là là, mais c'est tellement la galère. Gomez, ouais, c'est Gomez. Bon, là, tout le monde est en défense. Allez, il faut tranquillement, faut lancer tranquillement, temporiser, à moins que le compte soit possible. Allez, Nacho. Il va pas la balancer, il va pas la balancer, c'est Kikawet. Pas encore. Voilà, oh non, mais pourquoi passe, toujours le lob? Pas forcément lobé. Oui, okay, oui, Benzema. Benzema, c'est bon. Un dribble, c'est gagné, mais qu'est-ce qu'il vole? Mais corner. Non, parce que là, oui, il contrôle, puis il repart vers l'extérieur pour faire une frappe oui, du gauche. Bien sûr, mais tu sais, ils font ce qu'ils peuvent. Il a Karim Benzema, il a juste à faire 2-3 tours de stick, appuyer sur deux gâchettes, et voilà, il a et déjà fait 3 roulettes et il est au point de péno. Le centre. Terrible ce qu'on est en train de vivre. Deuxième poteau, mais il était au pressing, en ayant perdu son duel. Oh, magnifique reprise de balle. Incroyable. Par Nacho. Nacho. Qui passe un petit peu devant, encore avec ce lob. Hein. Oh là là, on la passe défensive, le coup, il peut pas l'attraper, ça a failli être incroyable. Un but de l'arnaque comme on les aime, alors que Marcelo est encore parti aux fraises. Ouais, Marcelo, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Oh, Benzema qui fait l'appel. Oh, trop tard. Côté gauche. Hors jeu, je crois. Non, ah, non, pas du tout. Oui, magnifique. Incroyable. Quelle arnaque. Il a hallucinante. On a jamais vu ça. Il a réussi à cerveau le gardien. Doublé. Incroyable. De Karim Benzema sur cette défense cafouillaise. Un des plus beaux vols de l'histoire du sport électronique. On aurait presque cru que le jeu avait confondu. Vous retrouverez évidemment toutes ces images dans les canaux e-sport club. Un grand monde e-sport que nous sommes en train de vivre. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Engagement pour l'équipe 6. Alors que 5 minutes avant la mi-temps, mais on est confortablement installé. Le break est fait. Maintenant, il faudra pas défendre n'importe comment. Et Jiraya qui déjà, reprend cette Benzema. Balle. Benzema. Avec voilà, Benzema. Mais les dribbles. Hop, il revoit la misère. Hop là, il hop, joue rapidement. Direct. Voilà, oh, c'est bien joué. Oh oui, il est pas en jeu, Marcelo. Est-ce qu'il va tirer direct? Non, faut s'entraîner. Il y a tellement de monde sur le centre. Oh non, ça suffit. Dans un angle aussi fermé. Est-ce que c'est un corner? Comment ne pouvait-on pas s'entrer? Ah, c'est pas un corner, il avait pas touché avant. Ah, changement de formation. Ah, alors que là, les Russes vont nous dire non, mais en fait, ça marchait pas. Il faut rematch. Non, quelques changements tactiques, visiblement. Allez, on part sur de la pointe. On repart en 4-4-2. Incroyable. On est déjà en 4-4-2, il me semble d'ailleurs. Côté MD White. Oh là là, l'assassinat. Oh non, c'est le carton jaune. Oh là là, oh, c'est moment, terrible ce qu'on est en train de vivre. Il s'est levé. C'est une honte. Tac par derrière. Incroyable, on l'appelle le boucher dans le milieu. Pas de carton jaune. C'est carton jaune, on le voit en bas à droite pour Roberto Larcos. Roberto Firmino. Calme-toi. C'est terrible ce qu'on a vu. Hein. Oh non, là, là, directement dans les pieds de Mané. Oh là là, la passe, oui, elle est faite. Oh non, elle est excellente. Mais pas du tout, il s'est suicidé alors qu'il pouvait traverser tout le stade et être un V1. Ah, mais il devait la faire tout de suite. Parce que l'autre s'est déjà plongé comme un on idiot. On n'a pas le temps d'attendre. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit d'hésiter, mon cher Adrien. Mais c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Il est pas content.
Non, c'est bah, bon. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Oh oui, le contrôle à Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un arrêt. On était presque à la reprise. Oh, c'est raté pour l'interruption. Incroyable. Alors que c'est parti, Roberto Larcos avec son assassinat. Là, la passe est excellente. Salah. Au milieu, il y a cette période. N'importe quoi, le drop. On va mettre Salah. C'est trop, le drop. On va et mettre c'est Salah trop dangereux, trop audacieux. Il est temps pour nous de prendre notre verre de sangria, cher Adrien. En tout cas, belle ambiance ici au stade Mimimati. Une bien meilleure ambiance que lors du précédent match au stade Michel Sardou. Quelques stade, banderoles regrettables avaient été dressées dans les gradins. Et des terres brûlées. Tout à fait. Le stade Lenovo Cdiscount qui est en feu aujourd'hui, Xavier. Tout à fait, mon cher Adrien. En tout cas, magnifique doublé de Karim Benzema. Et nous entamons cette deuxième mi-temps. Nous avons eu un énième tir cadré de Cristiano Ronaldo juste avant, mais ça n'a pas suffi à mettre le but, malheureusement. Oh, reprise par Asensio. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il passe au-dessus, mais c'est ce que je te dis, ce qu'il a fait tout à l'heure. Il est complètement fou et il se fait ah oui. Ah, passe aux adversaires, c'est pas si bien joué que ça. Cristiano Ronaldo, aile de pigeon. Qui est énervé sur le gardien. Jiraya, qu'on appelle aile de pigeon. Maintenant, retour dans le jeu, retour dans le jeu. Oui, malheureusement. On l'appelle aile de pigeon man dans le milieu. Il n'aurait pas dû faire cette passe-là. Ah oui, il fallait pas la donner à Cristiano Ronaldo. Il fallait la passer en bas. Cristiano Ronaldo. Bon. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Coup du sombrero. Il veut tirer dans la touche. La Panenka. Paf! Tous les termes sont balancés. Allez, on va se calmer un peu, sinon je vais pas avoir de voix. Ça, je le sais, c'est le foot. Ça nous enflamme, ça nous anime. Et parce que c'est la France. C'est la France, surtout qui joue. Après, on pourra s'en foutre. Oh là là, non, par pitié. Oh là là, contré, heureusement, Marcelo qui est du droit, même défense, si c'est pas son pied. Chandelle, dégage. Chandelle. On est toujours dans notre camp. Hop, ça vole. Allez, ça part en bas. Elle est incroyable, Crew. Mais qu'est-ce que. Arrête de faire le cake. Incroyable, ça chambre. Ronaldo. Il y a les appels. Oh, oui, ça c'est magnifique. Oh, il y a un contrat. Oh là là, le contrôlé est déplorable. Oh là là. Oh, ça a failli arracher un genou, mais c'est bon. C'est bien interrompu. Ça passe à côté. Ils n'ont pas eu leur bourse. À côté du cadre. Auprès du Crew. Dommage. Incroyable. Ah, en tout cas, beaucoup de technicité, Xavier. Oh là là, j'en peux plus. Tout va bien. Tellement de tension, mais le break est toujours fait. Reprends-toi, nous allons jusqu'à 90 minutes. Oh, attention. Magnifique ce contrôle. Attention, et cette attaque du ballon, il a essayé de passer. L'inamovible Valero. Malheureusement, Mohamed Salah, encore une fois, perdu. Incroyable. Karim Benzema. Cristiano Ronaldo. Ça passe. Oh, ça passe au fond. Oh oui, ça c'est magnifique, tout de suite. Oui. Non. Ah, il s'énerve, Karim Benzema, il est sous tension. On le sait, sous pression. Incroyable. Le cas Benzema. C'est parti pour les nachos, ici au stade Old El Paso. Incroyable, chute, chute de main. Oula, là c'était quand même une passe. Hein. Tout à fait. Peut-être pas déconner. Faut se calmer un petit peu. Je sais qu'on a Liverpool, mais quand même. Mais quel vol en tout cas quand même. Hein. Mais c'est pas du tout. Non, c'est magnifique. Le deuxième non, d'accord. Voilà. Quel heureux concours de circonstances, on va dire. Non, le deuxième plutôt. D'accord. Mais Ronaldo, le premier... ah, voilà, ça se jette. Oh il est tout là, seul, tout seul. Technique. Mais non, Ronaldo, technique. Mais Ronaldo, il a mille fois les capacités physiques pour y aller tout seul. Il avait effacé son défenseur direct. Si c'est terminé. Oh, il fallait partir tout seul. Allez, Ronaldo, émuler le gardien. Quelle erreur. Le 3-0 a été loupé, là, clairement. Bam. Cristiano Ronaldo. Alors, c'est Ronaldo qui a plus de jauge. Ils sont 3 dessus. On épuise les joueurs, visiblement. Ils sont 3 dessus. Oh. Nacho. Et oui, c'est vrai qu'on a les commentateurs. C'est terrible. Ah oui, sinon, on peut, si jamais on veut se reposer un peu la voix, on peut passer en mode Thierry Roland RIP. Cruz. Alberto Moreno. Oh. Mané. Ah. Et non. Vallejo. Benzema. Oh là là. Oh, pop. On revient sur faute. Hors-jeu. Hors-jeu. L'arbitre a eu raison cette fois-ci. Incroyable. Ça y est. Ah, il perd le ballon. Ah, c'est au-dessus. Alors que j'aimerais te signaler qu'il joue avec des gants de goalkeeper. Ah oui, c'est vrai en plus qu'ils sont, ils ont le handicap des gants. Incroyable performance des joueurs français tout de même. Eh oui, on l'oublie trop souvent, mais ils sont en train de jouer avec des gants de goalkeeper. Donc qu'est-ce que ce serait Xavier Incroyable. Sans le handicap. Tout à fait. Tout à fait, les joueurs français qui brillent de mille feux, enfin un point, alors que ça tente d'assassiner le Crous. Oh oui, magnifique, oh là là. Quand magnifique inspiration militaire. Ouais, hors-jeu, c'était plutôt en haut, sur le côté qu'il fallait décaler pour un éventuel centre assassin. Alors que ça y est, il se passe des choses.
Peut-être une pause tactique de la part de nos amis. Mon manque a fait semblant de s'énerver quand il y a la pause et qui après a quand même fait un thumbs up pour montrer qu'il n'y avait aucun problème. Nos amis. Ah, peut-être un changement. Nos amis russes qui changent. Style. Qui change des choses. On change d'attacking style. Changer le preset. Comme incroyable. Si ça a changé quelque chose. Alors qu'on voit évidemment les stats stratosphériques. À part la main, on a un défenseur central qui est quand même assez dégueulasse. 78. Mais tout le reste, évidemment, des animaux, des cyborgs. Mais ils ont un mec qui ont 56. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur ou quoi? C'est un goalkeeper, c'est un remplaçant. Ah oui, d'accord. Putain, je c'est des remplaçants. Xavier, ce sont tous les remplaçants. Oui, parce qu'il était en train de faire de la remplace. Tu ne vois que les remplaçants. Oui, je me calme. Je te sens très énervé. Et quoi qu'il a un carton jaune. Ah, d'accord. Je me calme, mais quand même, oui, c'est sûr. Oh, mais faites pas genre que la formation change quelque chose. Mais c'est surprenant quand même. Vous connaissez pas les touches. C'est surprenant d'avoir pris. Bon, Liverpool ont l'air bon, mais on est loin des cyborgs. Allez, du Real Madrid. Changement. C'est fait. Mohamed Salah qui est sorti. Ils ont quand même changé d'attaquant, ce qui est quand même assez malin. Côté français, on pourrait le faire, sachant qu'il nous reste 20 minutes de match à jouer, Xavier. Oui, là, on est bien. Il suffit de tenir encore un petit peu. Attention, peut-être. Moi, honnêtement, sans aucune volonté d'anti-jeu, je jouerais quand même la passe à 10. Je comprends. Bien évidemment. Oh, talonnade en défense. Ça va tenter la frappe. Talonnade en attaque. Oh, Marco Zetti, incroyable. Ça devait être Jiraya. C'est bien le genre. Ouais, voilà. Des frappes instantanées comme ça, sans embrouille. Le gardien qui s'est bien couché. Et c'est le premier corner, me semble-t-il. Absolument. Pour nos Français, non? Non. Petite tête. Ouh là là. Incroyable. Bien cadré. Mais arrêté par Mignolet. Il a acquis 80 points. Incroyable. Bien joué. Défense. Quelle émotion, que d'émotion. Défense. Je n'en peux plus, je n'ai plus de voix. Il ne fallait pas mettre un jeu de foot. Tout va bien, Xavier, ce n'est que le premier match. Attention, le contre là qui est extrêmement dangereux. Oh là là, il y a tellement de monde, il faut bien la jouer. Ah, il aurait dû la jouer en profondeur. Oh, et c'est le but. Crucifié. C'est le 2-1, Liverpool qui marque son premier but. Et c'est là qu'on voit que le match n'est pas terminé. Terrible, Roberto Larcos donc, qui réduit le score. La France qui était un petit peu, voilà. Avec un quart d'heure à jouer. Dans ses chaussettes. Un quart d'heure en PES minute. Je pense que la France va être relancée par cette relance de score, même si ce n'est pas encore une égalisation, Xavier. C'est terrible. Et pourtant, il a fait une passe au sol alors que ça aurait été mieux de faire un bas profondeur. Mais ça a suffi quand même pour balancer une frappe de cyborg, visiblement. En même temps, leur attaquant est frais. C'est vrai. Ah voilà, Marcelo qui s'impose. Marcelo, oh, mais cette passe, c'est n'importe quoi, cette passe dans l'axe. Passe de 30 mètres, il a pété les plombs. Oui, bon, là, peut-être pas déconner. Hors jeu, oui, bien entendu. J'irais de connaître les règles. On est quand même en football professionnel, on est à Liverpool. C'est quand même un affrontement e-sport. C'est ça. Alors que l'arbitre qui reçoit des ballons, on ne sait pas comment. Incroyable. Ah, non, mais voilà, merci. Enfin de la défense debout. C'est là qu'on voit qu'on est un petit peu plus arcade et le Kroos, le concurrent. Le Kroos à chaque fois de beaux dribbles chaloupé. Ronaldo tout seul. Jamais il ne reviendra jamais. Voilà. Allez là, peut-être. Oh, la mais il est reparti aux fraises. Mais non, il est parti aux fraises. Corner. Trop excentré. On va chercher un corner. Oui, quand même, on cherche c'est un corner. Mais bon, mon cher Adrien. Allez. Deuxième poteau. Je n'ai pas. Oh, c'est trop fort. Je n'ai pas l'impression qu'on soit aware sur les corners. Hein. C'est pas trop ça. On les tire trop fort au deuxième poteau et surtout, ça donne l'occasion à l'adversaire de contrer. Heureusement, c'est dégueulasse. Joli compte. Allez, faut passer devant. Oh, pas mal. Oh mon Dieu. Non. Oh, dommage. Ça aurait été pas mal. Alors qu'on débloque des trucs. Alors qu'on a fait une passe. Nous venons d'acquérir 280 points. Incroyable. Bien joué. Allez, chandelle tout droit devant. Chaque action est une fête. Allez, oh mais non, mais la Cruz, par contre, très mal inspiré de revenir en arrière pour faire une passe désespérée et dégueulasse. C'est pas grave. Oh là là, la confusion est absolue. Plus moins que de 7 minutes, mon cher Adrien. C'est terrible qu'on avait. Coutinho, Coutinho, il est rentré, ils sont chez nous. Pas de reprise. C'est bon, tiens, mais qu'est-ce que c'est chaud, madame. La frappe de Sergio Ramos qui a failli conclure cette égalisation pour le camp 6 non binaire. Oh là là, ça passe à travers trois joueurs madrilènes. Comment c'est possible? Oh là là, ce contrôle du téton qui avec passe, on une sait comment. Frappe merdique derrière, c'est bien c'est dommage. C'est n'importe quoi, oh là là, mais directement dans les pieds. Non, ah non, il n'est pas en jeu. Et l'arrêt de Charles, une deuxième fois. Incroyable. Et ça finit être le contre parfait pour Cristiano Ronaldo. Allez, c'est parti. Incroyable, non. Oh là, il se fait assassiner. Il se fait assassiner. Carton. Monsieur Colina, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes un salaud. Incroyable. C'est bon. Il rejette. Allez, une minute dans le temps réglementaire, il faut que ça cesse. Il plus faut que ça s'arrête. Il n'y aura pas tant d'arrêts de jeu que ça, on ne s'est pas trop arrêté de jouer.
Oh, oh, c'est le compte parfait. Oh, c'est maintenant. Allez, Ronaldo, Ronaldo. Allez, tout Cristiano seul. Ronaldo. Il faut mettre Benzema plus au milieu, oh, ici. Oui, magnifique pour le 3. Oh là là, il manque l'immanquable à l'entrée de la surface. Mais corner terrible. Décisif et sûrement fin du match après oui. le corner. Deux donc, minutes de temps additionnel. Allez, oh là là, et là c'est oui, c'était pas mal du tout, incroyable, il n'y a pas eu la tête, assassine, il faut pas que c'est. Voilà. Oh non, il y en a, je le déteste. Oh non, c'est la dernière action. Non, c'est la dernière action. Non, c'est la dernière action. Il est cuit, le joueur est cuit, il n'a plus d'énergie. Il ne peut pas marquer. Oui, la défense de Boulevard. Oh, un grand champion du monde. Incroyable du cul. Bravo à ces deux équipes. Mais la France a été meilleure et a voilà. Outrepasser le sprint de ses adversaires. Bravo! Oh, j'ai eu si peur. Et c'est déjà deux victoires d'affilée pour la France. Oh, j'ai eu tellement peur. J'ai revu France-Bulgarie. J'ai revu France-Bulgarie. Pourquoi j'ai dit deux victoires d'affilée? Absolument pas, oui. Pardon. J'ai revu France-Bulgarie. J'ai cru voir un Kostadinov-Balakov. Et tout ça. Ivanov à la fin Stoïkov. Avec un gant de foot. Incroyable. Bold goalkeeper. Bravo. À notre équipe. Bravo les Français, bravo, solide. À Moment et Jiraya qui souffle. Hein. Merci aux problèmes techniques, merci aux problèmes techniques qui ont permis de recommencer ce match. Bravo, bravo, bravo encore une fois. Superbe. C'est vrai qu'avec les problèmes techniques, il y aurait 2-2. Voilà, on a vibré. Puisque nous avons perdu le premier élément. Mais je vais mourir. Nous avons rematch, il y avait un problème de jeu. Alors, partagez-nous vos évidemment, émotions. Évidemment, est-ce que vous avez apprécié ceci? Dites-le nous sur le hashtag Légion GTI. Challenge, évidemment, quelle émotion! Quelle émotion! N'hésitez pas à partager votre émotion, bien sûr. Ça, très ému. Partagez votre émotion sur le hashtag Légion GTX Challenge. Et une fois que ce sera fait, vous pouvez évidemment partager encore une fois tout ce que vous avez envie de nous dire. Puisque nous regardons avec attention vos messages extrêmement souvent. Alors qu'on m'interrompt tout de tout suite, à fait. Puisqu'il pourrait y avoir une page de publicité, mais non, on va partir directement sur un vote de sur le prochain match, en effet, qui opposera les Nordiques contre les Anglais. Et nous allons lancer le vote pour les handicaps, évidemment. Quelle voilà. carte A, B ou C, c'est à vous de décider. Sachant que vous ne décidez rien, puisque vous ne savez pas pourquoi vous votez. Vous décidez le pif. Mais n'hésitez pas. C'est un gâchapon du vote. Mais c'est ça qui est rigolo. C'est une loot box. C'est ça. C'est un loot box. C'est un loot vote. C'est un loot vote. C'est la loot box. Et on verra compte si une équipe aura le goalkeeper. Alors c'est soit une équipe à les gants, soit une autre équipe à les gants, soit les deux both ont les gants avec les mains gauches bien sûr pour le joystick. Bon. Tout à fait. Eh ben écoutez, on a vécu des grands moments de football et d'e-sport, mais il est temps d'aller manger des beignets. Oh, donc on va vous laisser, on va revenir dans 5 petites minutes. On va voir comment se débrouillent les autres équipes. Ne bougez pas, don't go anywhere. Légion GTX Challenge revient juste après. Oui.